Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Voici encore, nous sommes ici à Kindia, comme je venais de dire à l'entame de cette émission. Vous avez reçu plusieurs stars. Nous sommes très heureux, très contents de savoir que vous êtes avec nous. Vous pratiquez ce média qui est avec vous et qui rencontre plusieurs stars à travers le pays. Alors, on était de l'autre côté en Guinée forestière et aujourd'hui, nous sommes à Kindia. On ira en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Nous recevons une autre star. Alors, lui, il est humoriste, comédien, il est encore chanteur, il est compositeur, il est un instrumentaliste. Il est sorti de l'ISAG. Ah bon, lui-même pas parlé de son CV. Nous vous disons de garder votre position. À tout à l'heure. Alors, oui, cher frère, bon, viens vous présenter à nos chers téléspectateurs. Et qui êtes-vous? Je me nomme Ibrahim Zouban Nassouma. Oui, un peu plus fort que... Je me nomme Ibrahim Zouban Nassouma. D'accord. Abrégé Agi, artiste journaliste. Ok. Je suis diplômé en Isagar grammatical, oh. Je suis réalisateur, ouais. En même temps je suis journaliste, je suis compositeur, auteur, instrumentaliste, okay. Chanteur, danseur, plusieurs disciplines en art guinéen. Mm-hmm. Donc je suis de Kindia. Ok, d'accord, avec plusieurs titres, vraiment ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Alors on va chercher à savoir comment est Bana, d'abord qu'est-ce que signifie Bana et comment Bana a commencé alors le métier. À la première chose, d'abord, mon surnom, bon, j'étais enfant, donc je suis le Benjamin, je ne suis pas l'aîné, d'accord. Je suis Benjamin de la famille, mm-hmm. Donc si je suis à côté de mon père me parle souvent, lui il est Bana, parce que l'acte que j'ai vu à lui, peut-être tôt ou tard, il sera quelqu'un okay. qui est visionné quoi. Okay. Donc maintenant je suis... Ça c'est en sous-sous, hein? C'est en sous-sous, en bonne chose, c'est ça. Donc, celui qui gagne l'argent ou bien celui qui gagnera l'argent. Okay. C'est ça qu'on appelle Bana. Un enfant qui a de l'avenir. Voilà, qui a de l'avenir. Okay. Mais bon, l'avenir ne trouve pas dans les rues. Oui. Il faut que tu te battes. Oui. C'est dans. Donc, le travail. Oui, c'est dans le travail. Maintenant, j'ai commencé là depuis en 90. Donc, on a fait le jaïko, la danse traditionnelle, la danse à toutes et tous. Mais dans l'humoriste, j'ai rentré ça en 99, okay. dans la troupe à Kinakea. J'ai trouvé là-bas Moussa Kouvé, Kabakoutou, Grand Davis, Grand Papis, Alias Maguire, Conséquence, Sunyata Keita. Okay. Donc j'ai trouvé beaucoup de personnes là-bas. Mais en rentrant là-bas pour le moment-là, il faut que tu payes le noir de cola, okay. 5 000 francs. D'accord. Donc moi j'ai donné ça à eux, on m'a bien accueilli, ils ont commencé de m'apprendre l'art comique. D'accord. Mais vous savez, dans l'art comique, il y a trois répartitions dedans, mm. mais les gens ne connaissent pas quoi. Il y a comique, il y a l'humour, il y a théâtre. Okay. Tous les trois là, c'est pas la même chose. C'est la même famille, mais c'est pas la même chose. Il okay. y a des gens qui veulent l'art comique, mais drame, ils ne peuvent pas. Il y a des gens aussi qui veulent l'humour, ouais. mais ne pas vers le théâtre. D'accord. Donc, tous les trois choses là, il faut que tu mélanges, tu travailles, ouais. tu améliores tout. C'est ce qu'on appelle humoriste. Okay. Mais si tu veux la comique, c'est d'abord, tu es comédien. D'accord. Si tu veux l'humour, oui. tu es l'humoriste. Okay. Mais en résumé, c'est l'humoriste. Okay. Donc maintenant, l'art, c'est comme ça. Okay. Maintenant, en matière de danse folklorique aussi, j'ai répété ça en bas ici, Bena. Mm-hmm. Parce que Kindia, il y a plusieurs coutumes aussi, mais toutes les coutumes, tu trouves à Bena. Okay. Kindia est centré ici, sauf Kanya Soli. Donc maintenant, on est parti là-bas pendant 2 ans, de faire la danse traditionnelle. Okay. En bonne chose, Guinée-Faré. Okay. Donc ça, j'ai... La danse de femmes. Ouais, des femmes. La danse des femmes. Oui. C'est ce qu'on appelle danse folklorique. Okay. Donc maintenant, les hommes peuvent danser, les femmes aussi. Mais pour trouver ça, c'est disparaître pour le moment-là. Même les instrumentistes qui font ça, ils sont disparus. Okay. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soutenance. Les barfons là, les cloches, les tambours, grand tambour, petit tambour, pour voir ça, c'est pas facile. Okay. Donc maintenant, j'avais là-bas 2 ans, dans la troupe aussi. Mais mon maître en art comique, oui. en art théâtral, c'est Youssouf Kondé Grand Babis. C'est okay. lui qu'on m'a pris. Donc maintenant, bon, je n'ai pas laissé l'école aussi, j'ai eu mon bac, j'ai tenté la chance parce que je suis dans la boîte déjà. J'étais à Debré quand on avait fait là-bas pour 4 ans moins, 5 ans plus tard, on avait fait ça, donc j'ai ça. En journalisme aussi, j'ai commencé ça depuis en 2007, en 2008. Je travaille en matière de journalisme aussi, je suis investigateur. Peut-être, je ne parle pas toute l'Afrique, mais hein, la Guinée me connaît, surtout Kindia, là où je suis né. Ouais. Donc, tous les métiers là, Dieu m'a accordé, Dieu m'a donné la chance pour connaître ça d'abord. D'accord. Mais pour utiliser l'importance de ça, Dieu n'a pas voulu ça d'abord. Parce que pour chercher le nom et tu cherches l'argent, ce n'est pas la même chose. Ouais, ouais. C'est fondé. Les ouais. gens ne comprennent pas ça. Celui qui cherche le métier, celui qui veut être star et tu cherches l'argent aussi, il faut que tu seras
footy. Ouais. Il faut que tu fermes tes yeux, tu analyses beaucoup. 24 heures sur 24, tu travailles. Tôt ou tard, les gens vont te chercher. La star, l'argent que la star gagne, lui ne cherche pas l'argent. C'est l'argent qui cherche la star. Oui. Mais si la star commence à chercher l'argent, ou bien les femmes, oui, tu ne peux pas être star. D'accord. Donc c'est pour cela que nous avons vu comme ça là ici. On est en train de traîner à tout moment. Mm. C'est pas facile pour suivre l'enjouement en accord, pour jouer la danse en ensemble, ou bien pour connaître, faire la composition en ensemble, ou bien pour faire le temps. Si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas donné le temps à ton métier, ton métier ne va pas te donner. Oui, mais est-ce que Bana aujourd'hui, est-ce qu'il appartient toujours dans le même groupe artistique? Oui, maintenant, je ne suis pas griot, mais je suis artiste. Okay. Parce que j'étais dans des griots, celui qui est né dans une famille, oui, oui. Griot quoi. Oui. Donc l'artiste, tu peux rentrer dans un métier à trouver la solution quoi. Okay. Donc moi, je suis l'artiste. Moi, je ne veux pas que mes gens vont me suivre. Si je me suivre aussi, c'est bon. Mais l'art que moi j'ai aimé comme ça, là, jusqu'à maman, je suis dedans. Parce que j'ai une troupe. On va parler des productions de Bana. Oui. Bana a fait combien de productions? Ou bien pour le moment, il fait ça avec les groupes? Bon, j'avais beaucoup de films avec mes chefs. Ok. Grand Papis là, j'ai beaucoup de mawas, il y a beaucoup de plaisir de films aussi. En invitant aussi à moi, j'ai mes collaborateurs, mes collègues aussi à Conakry, qui on m'invite beaucoup de films à traiter, à faire. Donc mon œuvre aussi, bon, j'ai fait beaucoup passe à la RTG, Bouillon du Riz. Donc la musique aussi, j'ai senti 22 ans, en matière de premier cadre d'abord parce que c'est parti, mais c'est pas, je n'ai pas fait les dédicaces, mais quand même j'ai senti 22 ans. Okay. J'ai senti pour ma mère, j'ai senti pour mon père, j'ai senti pour ma femme, j'ai senti pour mes parents, j'ai senti pour mes enfants, j'ai senti pour mes confrères aussi. Okay. Et j'ai sensibilisé la population parce que la guerre n'est pas bonne. La guerre aime trois choses, le sang, l'argent et la mort. Donc j'ai senti ça, je m'assois, je vais la composition à moi, je sens ça. Si je n'ai pas de producteur d'abord, mais si je gagne l'argent, je suis rentré au studio, je vais le maquette, je lance pour donner la conscience à la population. Okay. Quel est, parmi les instruments de musique, quel est l'instrument que Bana utilise beaucoup plus facilement et l'instrument qu'il aime jouer? Deux instruments, okay. Gongoma et Kondéni. Kondéni, c'est pour mes ancêtres. Je suis né dans ça. Gongoma, j'ai répété ça. Dieu m'a donné le temps de jouer avec ça. Okay. Mais plusieurs instruments traditionnels, je suis à la fois tam-tam, tambour, petit tambour, grand tambour. Je suis polyvalent en matière de là, hein, parce que j'ai duré dans ça de 90 jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Bana, question surprise. Est-ce que Bana est marié? Bana a combien d'enfants? Si oui. Il est marié ou pas? je suis marié, j'ai deux femmes. Ok. Donc, mon première femme, paix à son âme, elle est décédée. C'est elle qui m'a soutenu vers l'université à Dubelka. Donc, en école, tout et tous. Mais Dieu n'a pas voulu. Il est décédé le 26 novembre 2023. Donc, je suis remarié encore avec une de mes cousines. Donc, lui, elle m'écoute très bien. Elle a eu deux enfants pour moi. Elle aussi, elle est artiste? Oui, elle aussi, elle est artiste parce que je suis en train de l'apprendre. Okay. Parce que pour le moment, elle pourra jouer avec toi sur ce plateau? Oui, elle peut, même si elle ne joue pas avec les instruments, mais elle peut faire la chœur pour moi, choriste. Bon, elle est choriste pour moi parce que toute la musique que je chante pour le moment là, c'est elle qui fait la choriste pour moi en attendant. D'accord. Et peut-être un mot de la fin et après on va prendre Bana et son épouse et en chanson. Oui. Voilà, un mot de la fin et après on va venir. Ce que j'ai dit. Vous avez tout le monde parle le cas de l'art, mais l'art est un peu lourd, hein. C'est lourd quand même. Il y a deux groupes, personnalités qui peuvent aider les artistes. Pour aider un seul artiste, ce n'est pas facile. Oui. Pourquoi? Oui. C'est l'État qui peut soutenir l'artiste, ou bien l'ONG. Oui. L'ONG ou bien l'État. Un individu ne peut pas soutenir l'artiste, parce que l'art est lourd. Ce que j'ai dit, oui, comme les promoteurs, ce que vous avez en train de faire comme ça, les oui, journalistes, oui, comme Moussa Mara Bédé, ils sont beaucoup faits pour la culture guinéenne. Oui. Maintenant, l'État aussi doit se révéler à les artistes. Oui. Parce que si tu n'es pas soutenu, tu ne peux pas faire là. Oui. Les instruments, manger, béger. Parce que comme nous, on a décidé, c'est devenu notre métier, on peut prendre le temps. On ferme toutes les idées là. Mais les gens, si ils ne gagnent pas leurs dépenses, ils ne gagnent pas leur manger, ils ne peuvent pas faire là. Oui. Vous avez vu? Ouais. Mais comme nous sommes durés dans ça, je ne suis pas doyen, mais nous sommes devenus maintenant maîtres formateurs. Oui. Donc on peut nous patienter avec nos femmes, oui, ou bien nos enfants. Oui. Mais les autres qui ont voulu rentrer ici, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bonheur là-bas, ils ne veulent pas. Ils vont donc on doit faire le pépinière.
en art. Maintenant, par exemple, si je suis soutenu comme ça, là, j'ai des moyens, je peux former les secondes. Oui. Donc les secondes aussi, ils peuvent former leurs prochaines. Oui. Mais s'il n'y a pas de soutenance, tu ne peux pas former les gens. Oui. L'État doit venir l'aide. Oui. Maintenant, ceux qui ça bouleverse l'art guinéen, oui. ceux qui sont en tête là-bas, ils ne sont pas honnêtes envers les autres. S'ils gagnent l'argent, ils bouffent. Ils utilisent bien, on vient ici pour vous parler, parce que l'art, c'est ça. S'ils gagnent l'argent, ils bouffent. Bon, pendant un mois, deux ans comme ça, tu peux voir quelqu'un, il est malade. Il est malade qui n'a pas de médicaments. Ça, c'est la PC. Oui. Donc il faut qu'on donne à César celui qui appartient à César. La vie, c'est comme ça. D'accord. La chose, c'est l'endroit. Vous avez les événements que nous vivons aujourd'hui. Okay. Donc mon œuvre aussi, bon, j'ai fait beaucoup, tout, beaucoup passe à la RTG, Bouyan du Riz. Donc la musique aussi, j'ai senti 22 ans. En matière de première quête d'abord, parce que c'est parti, mais c'est pas, je n'ai pas fait les dédicaces, mais quand même, j'ai senti 22 ans. Okay. J'ai santé pour ma mère, j'ai santé pour mon père, j'ai santé pour ma femme, j'ai santé pour mes parents, j'ai santé pour mes enfants, j'ai santé pour mes confrères aussi. Okay. Et j'ai sensibilisé la population parce que la guerre n'est pas bonne. La guerre aime trois choses, le sang, l'argent et la mort. Donc j'ai santé ça, je m'assois, je fais la composition à moi, je sens ça. Si je n'ai pas de producteur d'abord, mais si je gagne l'argent, je suis rentré au studio, je vais le maquette, je lance pour donner la conscience à la population. Okay. Quel est, parmi les instruments de musique, quel est l'instrument que Bana utilise beaucoup plus facilement et l'instrument qu'il aime jouer? Deux instruments. Okay. Gongoma et Kondeni. Kondeni, c'est pour mes ancêtres. Je suis né dans ça. D'accord. Gongoma, j'ai répété ça. Dieu m'a donné le temps de jouer avec ça. Okay. Mais plusieurs instruments traditionnels, je suis balafon, tam-tam, tambour, petit tambour, grand tambour. Je suis polyvalent en matière de l'art, hein, parce que j'ai duré dans ça, de 90 jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Bana, question surprise. Est-ce que Bana est marié? Bana a combien d'enfants? Si oui. Il est marié ou pas? je suis marié, j'ai deux femmes. Ok. Donc, mon première femme, père son âme, elle est décédée. C'est elle qui m'a soutenu vers l'université à Dubelka, donc en école, tout et tous. Mais Dieu n'a pas voulu, il est décédé le 26 novembre 2023. Donc je suis remarié encore avec une de mes cousines, donc lui elle m'écoute très bien, elle a eu deux enfants pour moi. Elle aussi, elle est artiste? Oui, elle aussi, elle est artiste parce que je suis en train de l'apprendre. Okay. Parce que pour elle pourra jouer avec toi sur ce plateau? Oui, elle peut, même si elle ne joue pas avec les instruments, mais elle peut faire la chœur pour moi, choriste. Bon, elle est choriste pour moi parce que toute la musique que je chantais pour le moment là, c'est elle qui la corrige pour moi en attendant. D'accord. Et peut-être un mot de la fin et après on va prendre Bana et son épouse et en chanson. Oui. Voilà, un mot de la fin et après on va venir. Ce que j'ai dit, vous avez tout le monde parle le cas de l'art, mais l'art est un peu lourd, hein. C'est lourd quand même. Il y a deux groupes personnalités qui peuvent aider les artistes. Pour aider un seul artiste, c'est pas facile. Oui. Pourquoi? C'est l'État qui peut soutenir l'artiste, ou bien l'ONG. Oui. L'ONG ou bien l'État. Un individu ne peut pas soutenir l'artiste parce que l'art est lourd. Ce que j'ai dit, oui. comme les promoteurs, ce que vous avez en train de faire comme ça, les oui. journalistes, oui. comme Moussa Marabédé, ils sont beaucoup faits pour la culture guinéenne. Oui. Maintenant, l'État aussi doit se révéler à les artistes. Oui. Parce que si tu n'es pas soutenu, tu ne peux pas faire l'art. Oui. Les instruments, manger et besoin. Parce que comme nous, on a décidé, c'est devenu notre métier. On peut prendre le temps, on ferme toutes les idées là. Mais les gens, si ils ne gagnent pas leurs dépenses, ils ne gagnent pas leur manger, ils ne peuvent pas faire là. Ouais, vous avez vu ouais. Mais comme nous sommes devenus, nous sommes durés dans ça, je ne suis pas doyen, mais nous sommes devenus maintenant maîtres formateurs. Oui. Donc on peut nous patienter avec nos femmes oui. ou bien nos enfants. Oui. Mais les autres qui ont voulu rentrer ici, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bonheur là-bas, ils ne peuvent pas. Donc on doit faire le pépinière en art. Maintenant, par exemple, si je suis soutenu comme ça, là, j'ai des moyens, je peux former. Les secondes. Oui. Donc les secondes aussi, ils peuvent former leurs prochaines. Oui. Mais s'il n'y a pas de soutenance, tu ne peux pas former les gens. Oui. L'État doit venir l'aide. Oui. Maintenant, ceux qui ça bouleverse l'art guinéen, oui. ceux qui sont en tête là-bas, ils ne sont pas honnêtes envers les autres. S'ils gagnent l'argent, ils bouffent. Ils utilisent bien, on vient ici pour vous parler, parce que l'art, c'est ça. S'ils gagnent l'argent, ils bouffent. Bon, pendant un mois, deux ans comme ça, tu peux voir quelqu'un, il est malade qui n'a pas de médicaments.
Ça, c'est la PC. Oui. Donc, il faut qu'on donne à César celui qui appartient à César. La vie, c'est comme ça. La chose, c'est l'endroit. Vous avez les événements que nous vivons aujourd'hui, interprétés de façon héroïque, sans être des victimes et trahison. Appeler son armée qui tire les populations, il est introuvable des forces pour agresser, massacrer de leurs propres concitoyens. Mais la lutte entre Dieu et César, il sera sans merci et sans pitié. Mais Dieu donnera la victoire à celui qui est du côté de la vérité. D'accord. D'accord, c'est sur ces mots. Maintenant, on va se séparer. Après, on va s'occuper de la musique et de vos instruments. Pas de problème. D'accord. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Merci de patienter. Lola Plus Média vous accompagne tous les besoins en art, les artistes, les stars. Vous les découvrez ici, sur ce plateau. On vous dit de gâter votre position parce qu'il y a une autre surprise pour vous. Et au revoir.